Seigneur, Seigneur, nous bénissons. Prenons les pétures, Exode chapitre 9. Mon canard, mon bifère. Verset 7. Nous sautons, nous lisons aussi, verset. Tu prendras 8 onctions. Tu entendras si sa tête. Tu répondras si sa tête. Et tu boiras. Verset 21. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel. Et de l'huile d'onction. Et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Mais bon, on est beaucoup là, alors on a mis la banane, paix, banane, n'a la banane. Notre passage de base, le petit public. Je suis mon canal à Bissot, il y a un canal à la vallée où mon capot à moi, paix. L'éternel parla à Moïse et dit Yahweh a levé le mot, c'est paix à terre ici. Prends Aaron et ses fils avec lui. Soit alors la banane, il y a les vêtements. Huit fonctions. Il en bas, peut m'en foutre et par quoi? Les taureaux expiatoires. Oui, ça n'y va pas, mais il y a un bon volume à soupe. Les deux béliers. Et ma mère, même il y a un bon. Et la tournée des mains sans les vins. Et qui tourne à la main, pas les acapoules. Vous pouvez vous informer de l'église. Et voilà, vous faites dans la tombeau de Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute la réflexion à la lecture de sa parole. Oui, alors qu'il s'agit pas de bonheur dans l'état qui est en l'eau. Je bénis aussi la présence de mon frère, le docteur. La parole est pour vous à l'examen de Koranda et pour la Kissi. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas vivre. Mais ça dit à vous, oui, qui est au monde à l'idée de son rival. Quel est ce que nous bénissons? Pour la parole pour la Kissi. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la Kissi? Je dis qu'on est encore dans la Kissi. Nous voulons aussi clamer après notre pasteur de l'Europe. Pour les guides, pour qu'on peut Jésus aussi la beauté de la Kissi. Parce que. Que l'année aussi c'est divine. Et que vous avez si ma babou qui est allé à l'Ibilia. Quel est le bénisse? On l'a pas pour la bisson. Je ne veux pas défoncer parce qu'il y a des prédicateurs qui viendront parler. Voilà pourquoi je ne veux pas dépasser les prédicateurs. Allez, quittez pour les cabateurs, après à Simananga et pour le malissou, ceux qui sont allés au contact. Alors je vais seulement clamer sur ce qui a été dit. Pour le contact, à mon cœur, à eux aussi, par le contact qui est pour son langage. Et l'homme de Dieu vous a parlé si. Les éléments qui devraient constituer au sacrifice de consécration. Motoranzamba, l'obé à Kimisobi, l'obé Seigneur à Kekota, Nambeka Bokuli à Ranganzambe. Mais je vais seulement prendre un seul élément. Nakozoa Kaka, Oezani Lokomoko Kazi, l'huile sainte ou bien l'huile d'onction. Oezani Mafoute, sans tout homme à foutre et pas quoi. L'huile qu'on mettait sur les sacrificateurs avant d'entrer dans les services sacerdotales. Mafoute, Oezani Kotia, Nicolas Nakazambe, Amoeti Akote, Namosala, Otomo, Aboganata. Quel est ce que nous bénissons? Ola Papo la Bissol. Nous disons ceci. Ils sont aux amis que l'on va vous savez, le frère Salomon, chaque fois, il m'a toujours surpris. Vous voyez bien que Salomon a tant de gens qui sont à Kamu Sakangala. Salomon dit ceci. Salomon a le Bible. En Proverbe chapitre 21, verset 31. Mon cadavre, c'est mon capotoukoumi balé, mon corps, c'est là tout le monde. Le cheval est équipé pour la bataille. Alors, bien que Malengue la campounda pour la étouba. Mais la victoire, la délivrance, c'est la délivrance. Je vais tirer ton attention. On dit que la délivrance appartient à l'éternel. Mais Salomon dit, les chevaux est équipé, mais la délivrance appartient à l'éternel. C'est ça paraît comme si l'équipement
de cheval n'a aucune importance. Mais il faut faire attention. Ici, Salomon, c'est un prophète qui parle. Salomon, c'est la réalité. Même si la victoire appartient à l'Éternel, cela n'empêche pas que les chevaux soient équipés. Donc il faut équiper le cheval. Parce que quand le cheval est équipé, c'est l'équipement du cheval là par lequel l'Éternel améliorera la victoire. Remarquez, même dans la marche du cavalier, quand l'ennemi veut envoyer ses serviteurs, vous allez voir que tous les chevaux ont été équipés dans la police. Ils sont équipés d'image, couronne, l'autre avec l'épée. Ils vont dans la guerre. C'est que le cheval a été équipé là, je parle du côté négatif. Et il dit, quand il s'est équipé pour aller de la vie, dans le monde, il y a. Alors, du côté du Seigneur, les chevaux dont il est question dans le proverbe ici, ils doivent être équipés ici. Le Seigneur dit, allez de la main. N'est pas à confondre avec les chevaux de l'Apocalypse. Parce que ce cheval ici, il doit être équipé. Le Seigneur a l'engue la main. Parle tout d'abord du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il parle aussi de tout un peuple. C'est que je veux dire ceci. La prophétie dit, Juda sera mon cheval de bataille à gloire. C'est que Dieu prend la tribu de Juda comme un cheval de gloire à bataille. Mais à la manière de son constat, ça paraît être fou. Mais comment un peuple peut devenir un cheval de bataille de gloire de l'Éternel? Voilà pourquoi nous avons vu le véritable Juda. Christ, lorsqu'il est venu, Christ, il était tout un cheval de l'Éternel équipé pour la bataille. Est-ce que je fais comprendre? Vous serez d'accord avec moi? Avant qu'il ne puisse livrer la bataille, il devrait être équipé, frère. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu l'as venu au Jourdain, après avoir été lavé, n'oubliez pas, on ne peut pas équiper si tu n'es pas encore lavé. Lorsqu'il est venu dans les Jourdains pour être lavé, je sais pourquoi je parle du verbe laver. Et nous avons vu un équipement descendre sous forme d'une colombe. Et vous allez voir aussi que après avoir été revêtu, c'est alors qu'il commence son sacerdoce. Et nous avons vu aussi au jour des Pentecôtes, les apôtres ont été équipés avant d'entrer dans la bataille. C'est que l'équipement dont je parle, c'est le Saint-Esprit. Quel est le ministre? C'est l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi. D'ailleurs, vous allez comprendre quoi. Quand vous voyez Jésus dans les Jourdains, il voulait accomplir la prophétie de Moïse. Parce que dans la loi, les entrailles des sacrifices ne peuvent jamais monter à l'autel si cela n'est pas lavé. Ils sont pas il faut d'abord laver les entrailles et amener cela maintenant à l'autel. Oh, l'entraille selon les Écritures, c'est le
que Jésus était l'entraille de l'Éternel. Maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'on peut séparer l'eau et cet entraille? C'est-à-dire, l'entraille. Les entrailles qui devaient être lavées. Nous avons vu cela s'accomplir avec Christ dans les jours derniers. Et après avoir été lavé comme entrailles, il a été équipé. Parce qu'il y a une bataille. Les avoir équipés d'emploi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit. Une occupation sans équipement est une suffisance de personnel. C'est avant l'occupation, il faut être d'abord équipé. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est quoi? Nous rencontrons des gens sans équipement dans les assiettes. Que le Seigneur me dise. Mais quand vous voyez le Seigneur établir les autres, sachez bien qu'ils avaient été équipés par lui. C'est pourquoi je vais dire, nos frères que nous allons vous présenter les dimanches, ce sont des hommes pas ni moi ni parce que Dieu lui-même les a équipés de l'équipement. Mais Dieu nous connaît les gaz, ils allaient naïter, tomber mais ça m'a mon connaît la piscine ma mort. Parce que c'est lui qui équipe, ce n'est pas l'homme de ce monde, mais c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. C'est lui qui équipe, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu équipe, il informe ceux qui sont venus avant lui. Pour éviter les contestations. Voilà pourquoi un sacrificateur, avant d'entrer dans les travaux, il doit d'abord être équipé. C'est que après avoir été lavé, fait par le feu avec les vêtements. Mais il faut qu'on puisse le rendre avec l'huile qu'on appelle l'huile sainte ou bien l'huile d'onction. Est-ce que je me fais comprendre? Quel était le rôle de cette huile-là hier plutôt? Nous voyons que cette huile-là a été mise sur la tête d'un roi. Si les rois, si on fait chanter un roi, on doit les rendre. D'où vient d'abord cette huile là? L'huile là vient des graines de l'arbre qu'on appelle l'olivier. Et l'olivier qui produit des raisins mûrs, et ces raisins passent par les pressoirs. Et ça fait sortir de l'huile. Et on associe cela aux autres éléments selon Exode chapitre 30. Pour que ça devienne l'huile sainte. Selon l'art du parfumeur. Et c'est cette huile-là. On mettait sur un roi, sur un sacrificateur, sur un prophète. Pourquoi? C'est parce que les sacrificateurs ne peuvent jamais servir Dieu de sa propre force. C'est que l'huile d'onction sur la tête du sacrificateur était une symbole de la capacité spirituelle qui était accordée à son serviteur pour son service. Et ça qui est le moyen de la conquête,
Même si on se sert cela aussi à un roi, d'ailleurs vous êtes d'accord avec moi. Et Samuel chapitre 10. Quand Saul devrait devenir roi, Samuel l'a oublié. Au chapitre 16, quand il est parti dans la maison d'Isaïe, pour rendre David, David devait devenir roi. Mais il n'est pas devenu roi comme ça de lumière. Il faut qu'il y ait une huile d'onction sur sa tête. Et vous connaissez tous ensemble que David a été roi trois fois. Première fois, il a marié, mais il a travaillé comme serviteur dans la maison de Saoul. Est-ce qu'on est ensemble? Vous alliez longtemps. Deuxième fois, il a régné à Hébron. C'est la troisième fois qu'il a régné sur tout Israël. Toutes ces choses-là, ce sont des enseignements. Alors, un roi n'est pourtant devenu roi sans toutefois avoir l'onction sur la tête. Pourquoi qu'on a quitté Koko Makoum, même pour devenir un prophète, on régnait aussi le prophète. Le Seigneur dit à Élie ceci, fais où est Azaïel, et moi aussi, quand vous voyez ces choses,
choses, c'est purement diabolique. C'est pourquoi nous étant le fils des prophètes, nous avons l'intelligence de l'État. Nous connaissons chaque chose selon son temps. Dans cette dispensation ici, rien de physique n'a pas encore d'importance. Est-ce que je le fais comprendre? Ça ne nécessite pas l'huile physique. Donc je prends même l'huile de mettre dans la corde. Parce que la corde. Et puis, quand lorsqu'il m'a, la corde symbolise la force. Il sait que les alliés ma cocasse. Ce sont des choses satanées. Dans l'assemblée des saints. L'évangile éternel dit ceci. Lui là, ma foute au hasard. Somme chapitre 55. Il annonce l'huile comme la parole entière. C'est que lui, c'est lui qui donne toutes ses capacités. C'est le Seigneur lui-même. Pourquoi? Pour les servir que ces hommes vont remplir dans le sacerdoce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous allez le voir en aller. En réalité, nous disons ceci. Dans cette dispensation, nous ne pouvons pas encore pratiquer des pratiques de lui physiques. Si on est en une personne, soit disant que c'est une consécration. Et ce qu'on donne là, n'est pas l'Esprit Saint, mais c'est le Saint-Esprit. Et ça dit qu'on est en train de se faire un peu. Quand tu as envoyé quelqu'un s'écrire sur la tête, il sort au milieu des gens. Alors le professeur toujours les choses honteuses. Okay. Parce qu'il est rempli de Saint-Esprit au lieu du Saint-Esprit. Et le Seigneur ministre. C'est qu'en réalité, lui aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est que pour entrer au service, c'est que l'homme doit d'abord être équipé par Dieu. Parce qu'un serviteur, c'est un cheval de bataille. Les ministres sont des chevaux de bataille. Les peuples de Dieu sont aussi des chevaux de bataille. Équipé par Dieu lui-même pour livrer la bataille contre les diables, contre les démons, les faux prophètes, les fausses religions et les fausses puissances. Mais pour affronter ces choses, Dieu ne nous envoie pas comme ça. À part t'envoyer, il nous équipe d'abord. Voilà pourquoi un prédicateur doit être équipé. Il doit être équipé. Parce que le ministère sans équipement ne vient pas dire. Parce que moi je ne crois pas que j'ai envoyé quelqu'un. Ça toutefois lui est encore équipé. Quand il va rencontrer les termes, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va rencontrer les démons, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va rencontrer les conditions de l'établissement, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous informe. C'est l'huile d'onction. En mettant aussi sur les sacrifices. C'est aussi la capacité spirituelle que Dieu donne à son serviteur pour remplir la fonction sacrée.
C'est venu notre sœur. Notre sœur Léa. Moi si Léa. Lorsqu'il enfante le troisième fils, et elle lui dit ceci. Maintenant, si mon mari s'attachera de moi. Je lui ai enfanté un troisième fils. Elle lui donna le nom de Léa. C'est que Léa, c'est une courte de liaison. Il devrait prendre l'homme et la femme. Et ils étaient déjà séparés. Oh, c'est comme en question. C'est Dieu lui-même. La femme en question, c'est Adam et toute l'humanité. Mais pour que l'humanité et Dieu puissent se réconcilier, pour que Dieu revienne à sa femme, il lui faut que Lévi vienne. Afin que nous comprenions, Lévi était un médiateur. Pour que Dieu rencontre les peuples, il passe par Lévi. Voilà pourquoi, frère. La femme de l'audace ne pouvait jamais avoir la tête du prophète s'il n'avait pas un plan neuf. Je vais laisser le ministre. Quand on coupe la tête du prophète, la tête doit être mise sur un assiette plat. C'est le plan neuf qui apporte la tête à la femme. Parce que cette femme-là n'avait pas la tête. C'est notre sœur. Parce qu'elle avait la révélation. Moi, je n'ai pas la tête. Et puis, à sa fille, mais tu n'as pas d'autre chose. Si ce n'est que la tête qui est comme ça. La femme n'avait pas la tête. Quel est le ministre? Voilà pourquoi. Pour que la tête vienne, il a fallu la médiation d'un plan neuf. Et le plan neuf, aujourd'hui, c'est le faisait capable. Je veux dire, tu ne peux pas voir Dieu s'il n'y a pas de ministre. S'il n'y a pas de ministre, le peuple ne verra pas Dieu. Comme ça a été, pour que Dieu raconte le peuple, il passe par l'aide. Pour que le peuple voie Dieu, il passe par l'aide. Je vous informe. Les gens que le Seigneur avait ajoutés dans les champs, ce sont aussi des phases par lesquelles tu dois rencontrer Dieu. Est-ce que je veux comprendre? C'est que parfois, avec leur intégration, nous ferons un nouveau départ. Un nouveau départ. Cela ne peut être une réalité. Lorsque vous croyez à l'option qu'il y ait sur l'aide, parce que nous ne mettons pas l'option sur la main. C'est Dieu qui voit. Mais nous prenons ces gens, nous vous les présentons. C'est pour cela. Quand vous allez parler bien des hommes que Dieu a établis pour vous, quand vous allez avoir des considérations avec les gens que Dieu a élevés, Dieu va les utiliser pour ta guérison, pour ta bénédiction, pour ton élévation. C'est là qu'il te fait sur ta parole. C'est pourquoi l'onction sur la tête est en dilaté. La loi dit ce qu'il voulait le faire. Est-ce que je fais comprendre? Est-ce avec l'onction sur la tête? C'est pourquoi? C'est pourquoi on avait interdit les serviteurs de ne pas s'approcher des morts. Il y a ni de son père qui se mit les amis. Des pères qui ne nécessitent pas. Pourquoi? Parce que l'onction sur sa tête est une couronne. Quand on parle de couronne, nous voyons la voir. Ce que je veux dire, quand Dieu envoie quelqu'un dans les églises,
Dieu l'accompagne avec sa gloire. Mais pour que cette gloire se manifeste en ta faveur, il y a une condition. Qui a donné cette condition? Parce que nous avons dit aussi un même. Lorsqu'il est venu, il y avait un problème. Il y a la mort de leur frère. Parce qu'il y avait une sœur avec ses frères qui étaient malades. Et la maîtrise l'a amené à la mort. Lorsqu'il est venu, il dit ceci. Ne t'ai-je pas dit? C'est que je parle de Marthe et Marie. Ne t'ai-je pas dit? Et si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Quand j'ai vu marcher, il est en lui, habité corporellement, toute la culture de la vie. Quand vous croyez, la gloire de Dieu se manifeste. Parce que c'est pas la guerre. C'est qu'un ministre, mon Dieu, est établi par Dieu. Élevé aussi par les hommes. Sur l'orientation divine. En lui, Dieu a équipé une capacité. Pour te servir toi. Alors quand vous le regarderez comme ça, le Seigneur va se manifester à votre faveur. C'est vous montrer l'œuvre qui va se faire sur nos frères. Les objectifs. Son objectif c'était quoi? Parce que hier, tu dois prendre la charge de ces peuples ensemble avec tes fils. Ils sont établis pour prendre la charge du peuple. C'est chargé de l'iniquité du peuple. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit ceci, Paul connaissant ces choses, il dit obéissez à vos conduites. Il dit faites-le avec des fédérations. De manière que ces hommes de Dieu ne murmurent pas. Ce qui ne vous sera pas vraiment une faveur. Parce qu'ils devront rendre compte de vos actes à Dieu. Comme le Seigneur va établir cette église, il a ajouté dans les champs, parce que le champ est vraiment grand. Les serviteurs sont peu nombreux. Le Seigneur ajoute toujours les hommes dans le service. Et lorsque ces gens-là qui sont établis pour vous et trouvent de la considération, Dieu va les utiliser pour votre faveur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Souvenez-vous de cette fille esclave dans la maison de Naman. Elle n'a pas eu honte de parler de son prophète. C'était elle-même qui avait dit la souffrance qu'avait Aman. Il faut faire attention. Naman était un païen. Mais avec la lèpre, les baptêmes nous prouvent que Dieu était avec lui dans les combats. Mais elle est bleue. C'est pourquoi vous verrez aussi aujourd'hui. Beaucoup de ministres aussi les plus. Mais Dieu est toujours avec lui. Et les autres le disent. Mais n'oubliez pas. Moïse n'avait pas oublié. Quand la lèpre devient dans tout le corps, tu mérites de l'être. Si on t'aime, on te cherche une sacerdoce. On n'a pas levé l'église, mais on t'a enlevé. Là, nous avons déjà battu l'église. C'est le pasteur qui l'avait dit ce jour-là, c'est toi. Quel est le mot? La pomme de la mission. Cette fille dit quoi? Moi, si mon maître était chez nous, ce qui est chez nous, si vous dites ça, il n'a pas dit que Dieu l'ait guéri. Alors, il dit ceci. Alors, les prophètes, alors, les guéris. Alors, il dit ça. Mais
qui? Israélites, pour faire bien la loi, pour me dire que le prophète l'a guéri. Il faut faire attention. Les prophètes ont des questions. Ce n'est pas les prophètes de la grammaire. Parce que les prophètes de l'idée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela. Parle bien aussi de ton pasteur. Parle bien de tes prédicateurs. Partout où tu parles, partout où tu es, parle bien de tes serviteurs. Dieu va les utiliser pour ton bien. Parle bien de tes serviteurs en invitant les gens, en invitant tes camarades. Quand tu viens, ce n'est pas ton problème. C'est le Seigneur qui va s'occuper de ces gens. Et il va confirmer qu'en réalité, dans l'assemblée des saints, Dieu existe. Attendez, continuez pour l'instant. Je vous donne une vidéo. L'huile d'onction sur la terre, c'était une capacité. Et ça, il m'a compris mon corps. C'est spirituel. Il y a mon livre. Que Dieu doit la servir. C'est aussi la capacité. Et ça, il fait ma copie. Que la démonstration de l'explication de la parole. Lorsqu'on parle d'une parole, c'est une parole. Lorsqu'elle est prêchée, elle transforme les cœurs. Tu peux parler, et les gens ne disent pas mieux. Toi, les prédicateurs, tu crois comme si tu n'as pas vu pour. Mais la prédication a produit les effets de la vie. Et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, après les sessions sur les agréments, je vais vous donner ça. Ah, nous, dans l'assemblée des saints, nous n'acclamons pas parce que tu nous exiges. Nous ne disons pas même parce que tu nous demandes. Le bas mène à bien. À bien, amen, bien. Le bas mène à mort. Bien, amen, le bas mène à l'Iba. Bien, amen, à mariage. Monsieur Pasteur, monter. Amen, à mort. La main de la Amen. La main de Marie. Aussi le connais en Goa. Où as-tu trouvé cette église? Parce que la Bible. Parce que dans les églises. Amen de la La main, c'est tout énorme. Quel est le ministre? Oh! Quel est le ministre? Oh! Sauvez pour toi la tentation. Si cet homme est en toi, carrément toi. Lorsqu'il parle. Le mot, le Amen. Et toi là, tu l'as Amen. C'est pourquoi Yamboa, Marie, Maria, ne pouvait pas le visiter. Elisabeth. Si elle n'avait pas été informée qu'Elisabeth aussi était visitée. Dans les ventes d'Elisabeth, un fils mâle. Dans les ventes de Marie, un fils mâle. Lorsque Marie arrive, frère Elisabeth, et elle salue Elisabeth, l'enfant qui était dans les ventes, a tressailli les gens. C'est que la profondeur appelle la profondeur. Dans l'assemblée des saints, nous avons des frères et des sœurs qui connaissent la profondeur de la parole. Quand vous touchez la parole verte, les saints qui sont remplis du Saint-Esprit, vous mettez la parole. Et les frères me disent, c'est ici, Marie qui est une ministre. Les fils de nos enfants de ce ministre. Elisabeth devient incroyable. Elisabeth a commis mon Les fils dans le ventre, c'est la foi. Parce que moi, j'ai toujours défini la foi comme la semence de l'éternité. Tu ne peux pas prendre cette évangile aujourd'hui. Si tu ne t'avais pas prêché depuis le temps. Moi et toi, si nous avons pu. C'est parce que nous avons été déjà pressés de plaisir. Pendant 3 mois, quand nous étions dans l'éternité, pendant 3 mois, nous prenions le lait de notre mère. Et après nous avoir jeté dans le feu, et après, nous pouvons retourner toujours au même manège. C'est que Moïse n'a pas dit les mandats d'une autre personne, c'est la mandate de ça. C'est un mélange que ma mère et ma maman, parce que maman a pris ses amis. Nous avons été enseignés de l'éternité. Maintenant, ce que nous faisons, c'est le rappel de ce qui a été enseigné. Est-ce que ça nous fait comprendre?
Pourquoi? Ici, je peux vous mettre à l'écart. Contre les mauvaises pratiques. Les consécrations qui se font dans la ville. La meilleure consécration de ce qui va se faire chez vous. La meilleure consécration de ce qui se fait dans les assemblées des saints. Voilà pourquoi nous avons dit. Mettre l'huile physique aujourd'hui. Si on est satisfaitaire, c'est une pratique démoniaque. Les années c'est une sorcellerie. Les années pendant pire et simple. Pourquoi? Parce que nous savons bien. Quand le Seigneur dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a il donne la signification et le pourquoi il a été moi. Il m'a ouvert pour apporter la bonne nouvelle au pauvre. C'est que quand vous avez le Saint-Esprit, c'est pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Et vous êtes sans ignorer que les pauvres dont il est question, c'est Adam. Il a vendu sa propriété. Il était devenu pauvre. Je suis en Égypte. Il est resté pauvre. Mais pour que ce pauvre-là soit racheté, il faut que l'Esprit du Seigneur soit sur un sacrificateur. Parce que Jésus est la totalité de tous les sacrificateurs. Seigneur, lui, le vrai sacrificateur. Le vrai souverain sacrificateur. Est-ce que ça vous fait comprendre? Voilà pourquoi. Lorsque le Seigneur ouvre pour annoncer la bonne nouvelle, pas n'importe quelle bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile est nous sommes des témoins de nos frères que Dieu va élever au milieu de nous. Nous les avons écoutés. Parce que les apôtres ont fait aussi cette histoire. Pour remplacer quelqu'un, on donne la condition. Il faut que quelqu'un qui a été affecté, qui connaît bien, qui a été depuis le baptême des Japonais, qui connaît bien l'histoire du Seigneur jusqu'aujourd'hui. Et l'histoire en question, ce n'est pas qui est devenu le meilleur. L'histoire là, c'est pressé Jésus dans la loi de l'époque. Et nous, à peine avons écouté nos frères, nous avons dit qu'il maîtrise l'histoire. Ses frères maîtrisent l'histoire. Il est parti. Il est là. Il maîtrise l'histoire. Il est là. Il maîtrise l'histoire. Maïs. Il maîtrise l'histoire. Nous ne faisons pas quelque chose sentimental. Après avoir constaté avec une oreille capable de discerner le goût des choses dans les pareilles. Et nous avons été convaincus que le frère en la chose. Est-ce que vous pouvez comprendre? Après avoir dit, je vais vous faire passer le temps. Voilà pourquoi je voulais dire. Ayez du confiance en vous. Ne les regardez pas comme ils étaient vos camarades. Parce que vous faisiez des camarades. Quand vous allez les considérer, quand vous verrez nos têtes chez toi comme ça,
Lorsque vous négligez l'onction,
lorsque vous méprisez l'onction, l'onction va fuir. Mais nous, dans l'assemblée des chefs, l'onction.